J'ai dans les mains trois serviettes, même taille, même couleur, mais pas le même motif. J'ai devant moi deux nappes, toutes uniques. Toutes uniques. Pixil, c'est le nom de la société que vous avez créée. Oui. C'est quoi? C'est l'association de pixels et de textiles? Exactement, c'est exactement mais ça. J'ai tout compris alors. Ouais, vous êtes super fort. Alors expliquez-moi, c'est effectivement à chaque fois la possibilité de réaliser des pièces uniques, mais à échelle industrielle. C'est-à-dire que les serviettes, j'en ai trois, je pourrais en avoir 100 000, il n'y en a pas une qui serait pareille. Exactement, exactement, c'est ça. C'est, on a créé un programme qui permet de générer des cartons qui sont ensuite envoyés dans le circuit traditionnel de tissage jacquard et qui permettent de faire des produits uniques. Donc là, effectivement, là, c'est des serviettes. On peut faire des nappes, on peut faire toutes sortes de produits tissés. Alors, le petit logo que vous allez créer, vous allez ensuite lui proposer de se balader dans un univers virtuel que vous avez composé et qui va ensuite être imprimé de manière numérique, c'est cela? Alors, imprimé, par exemple, on a vu là imprimé, mais ici, c'est tissé à même la matière. Et de plus, là, on a des serviettes noires et blanc ou colorées, mais on pourrait imaginer aussi que chaque serviette ait une couleur tout à fait différente. Donc un motif différent, une armure différente, aussi un toucher différent, avec des épaisseurs plus ou moins importantes, avec plus ou moins de rugosité. Voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses, en fait. Imaginons, je suis chez moi, j'ai un ordinateur, une tablette ou un smartphone, je vais sur votre site et à un moment donné, je décide de moi-même réaliser ma composition en utilisant vos petits motifs, mais en choisissant les couleurs, les associations, c'est possible? Alors pour le moment, ce n'est pas encore exactement en ligne, parce que ça, c'est pas. Donc il faut passer par nous, nous envoyer un petit mail pour faire ce genre de choses. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place dans le futur, d'avoir effectivement une boutique en ligne qui permettrait de générer ses propres motifs et de le faire en ligne. Pour le moment, il faut passer par un petit mail. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est forcément beaucoup plus cher de faire des pièces uniques à échelle industrielle que de faire exactement la même pièce tirée à un nombre d'exemplaires infini? Non, en fait, c'est exactement le même prix. C'est plus cher ici parce qu'on a fait des petites quantités, parce qu'on a encore une petite structure. Mais après, si on déploie ça sur des quantités industrielles, c'est exactement le même prix de production. C'est quand même tellement plus sympa d'être à table avec des nappes différentes et chacun une serviette totalement différente autour du cou. Exactement, oui, c'est vraiment ça. C'est vrai que l'idée de la première collection, on a fait des serviettes pour effectivement l'idée de que chaque frère et sœur ait sa propre serviette. On oublie un peu la petite pochette. Donc c'est vrai que c'était cette idée. Vous êtes en train de me dire que le règne du rond de serviette est terminé? Je suis en train de vous le dire. Il va falloir que je digère ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.